Bonjour. Savez-vous que quelques 500 000 comptes annuels sont déposés chaque année à la Banque nationale de Belgique? Ces personnes ont le choix entre les trois options suivantes. Importer un ou plusieurs formulaires ZIP ou XBRL, faire une déclaration basée sur un PDF ou la création d'un nouveau formulaire de dépôt. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons étape par étape comment vous pouvez importer un ou plusieurs fichiers ZIP ou XBRL via l'application Filing de la Banque nationale de Belgique. Vous devez d'abord vous connecter à Filing. Si vous utilisez Filing pour la première fois, votre espace personnel est vide. Vous pouvez directement cliquer sur l'option « Importer un ou plusieurs formulaires ZIP ou XBRL ». Si vous avez déjà effectué des dépôts, cliquez sur « Nouveau dépôt » en haut à droite de votre écran et choisissez ensuite l'option « Importer un ou plusieurs formulaires ZIP ou XBRL ». Sélectionnez les fichiers dans votre explorateur de fichiers. Cliquez sur « Importer ». Vous pouvez importer jusqu'à 50 fichiers. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un libellé à votre import afin de l'identifier plus facilement dans votre espace personnel. Cliquez ensuite sur « Confirmer ». Un message apparaît en bas à droite de votre écran vous indiquant que l'import est en cours. Lorsque celui-ci est terminé, un second message « XBRL Import Completed » apparaît alors. Après l'import, vous êtes automatiquement redirigé dans votre espace personnel où vous pouvez retrouver les fichiers importés. Le rapport de validation disponible via les trois petits points verticaux tout à droite de la ligne du dépôt concerné vous montre les éventuelles erreurs bloquantes à corriger avant soumission et avertissements qui n'empêchent pas la soumission du dépôt. Les comptes annuels peuvent être soumis via le bouton « Soumettre » s'ils ne comportent plus d'erreurs. Toute modification des comptes annuels reste possible en cliquant sur les trois points verticaux. Optez pour modifier les données du compte annuel. N'oubliez pas de sauver et valider après toute modification. Si le dépôt est entièrement correct et que le paiement pour la publication est réceptionné, les comptes annuels sont publiés et consultables par tout le monde sur le site consulte de la Banque nationale de Belgique. Vous voulez en savoir plus sur le dépôt des comptes annuels? Surfez sur le site actualisé de la centrale des bilans à l'adresse suivante et abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Banque nationale de Belgique.